Seni Kangba, je te maudis à jamais. Seni Kangba, je te maudis à jamais. Tu es méchant, Seni Kangba. Tu es méchant, Seni Kangba. Seni Kangba, pourquoi tu aimes l'argent qu'un être humain, Seni Kangba? Tu aimes l'argent qu'un être humain, Seni Kangba. Toi, tu dis qu'il ne faut plus les gens vont t'appeler pour moi, mon affaire. Parce que toi, tu m'appelles, moi, je ne décroche pas. Et quand toi, tu m'appelles, je ne décroche pas, tu sais pourquoi je ne décroche pas. Tu sais ce qui s'est passé, puis tu m'appelles, je ne décroche pas, Seni Kangba. Comment je fais ma sortie? Le père de mon enfant, il s'est senti concerné dedans. Le monsieur a eu peur, le monsieur t'a appelé pour te demander. Non, faut dire à Sarah, faut lui demander pardon. Faut pas, elle va expliquer ce qui s'est passé entre moi et puis elle. Que moi, je vais m'occuper de l'enfant. Seni Kangba, quand le monsieur t'a appelé, oui, on était assis dans ta voiture, puis le père de mon enfant t'a appelé. Et quand le père de mon enfant t'a appelé, il entend de causer avec toi. Et toi, tu dis à le monsieur que non, si lui, il veut que tu me demandes pardon, il faut que il doit te faire un game. Moi, game là, je ne sais pas c'est quoi ça signifie. Papa de mon enfant entend de parler, tu lui dis que non, il n'a qu'à te rappeler que tu n'es pas seul. C'est ni Kangba. Si tu es sûr de toi, si tu n'es pas un menteur, si tu n'es pas un voleur, si tu n'es pas un arnaqueur là, c'est moi mon affaire. C'est moi que le monsieur dit de me demander pardon. Si je suis là, pourquoi tu dis à le monsieur que non, tu n'es pas seul? Déjà, c'est pour faire le prix avec le monsieur. Pourquoi le monsieur te paie chaque 2 semaines? C'est une Kangba, tu es méchant. Tu es méchant. Et hier, le monsieur m'appelle pour me demander que toi, je paye c'est une Kangba pour qu'il te demande pardon. Je l'envoie l'argent chaque 2 semaines. Pour qu'il te demande pardon, et puis toi tu fais sortir. Que toi, Seni, tu le menaces avec ma sortie. Qu'un peu du temps, tu appelles le monsieur, tu dis à le monsieur que moi je t'appelle pour te dire que non, je veux faire sortir, pour te casser les papos. Et moi je t'ai jamais dit ça, Seni Kangba. Moi je t'ai jamais dit ça, Seni Kangba. Seni Kangba, tu aimes l'argent qu'un être humain. Tu aimes l'argent qu'un être humain. Seni Kangba, je vais te dire une chose. Quand moi j'ai fait ma sortie, et toi et puis moi on s'est connus. Premier jour de notre vidéo qu'on a fait, quand on a fait la vidéo, va sur ma page TikTok, tu vas regarder la vidéo, puis tu rentres dans les commentaires, tu vas voir dans, ce que les gens ont écrit là-bas. Les gens écrivent, Sarah, c'est toi avec lui là. Lui là, il n'est pas bon. C'est un escroc, c'est un anaké. Déjà, c'est vrai. C'est Seni Kangba. Tu as donné raison à ces gens-ci là, c'est Seni Kangba. C'est Seni Kangba. Moi, Sarah Kofi, je te maudis. Moi, je t'ai dit que quelqu'un m'a violé. Comme le père de mon enfant a demandé ton numéro, il t'a appelé, il t'a expliqué ce qui s'est passé. Seni Kangba. Moi, je t'ai expliqué de A à Z. Seni Kangba, tu connais ma vie que moi. Je t'ai expliqué ce qui se passe dans ma vie. Je t'ai expliqué combien de fois je souffre, Seni Kangba. Je t'ai tout dit dans ma famille. Je t'ai tout dit dans ma vie. Parce que je t'ai pris comme mon grand frère. Je t'ai pris comme mon grand frère, Seni Kangba. Et puis tu as osé me faire ça à cause de l'argent. Parce que le monsieur te paye, tu gagnes de l'argent, tu ris, tu danses, mais tu ne fais pas que moi je parle de combien de fois moi je souffre, Seni Kangba. Seni Kangba, tu ne peux pas m'utiliser pour chercher l'argent. Moi je pensais que tu es venu pour m'aider. Déjà tu es venu pour m'utiliser pour chercher ton argent, Seni Kangba. Tu es méchant, Seni Kangba. Si je savais, j'allais écouter les gens qui m'ont parlé. Si je savais, j'allais écouter les gens qui m'ont parlé. Tu fais genre comme tu es honnête, Seni Kangba. Tu fais genre comme tu es quelqu'un de bien. Mais tu aimes l'argent qu'un être humain, Seni Kangba. Tu es méchant. Et tout ce que je t'ai expliqué dans ma famille, et tout ce que je t'ai expliqué, combien de fois, je t'ai dit combien de fois, moi, Sarah Kofi, je souffre. Et quand je parlais, toi-même, tu as fait exprès, tu as fait semblant de pleurer, tu as coulé des larmes. Quand je t'ai expliqué mon histoire, quand je t'ai expliqué ce que moi, Sarah Kofi, je traverse. Mais cela ne t'a pas empêché de me faire du mal, Seni Kangba. Cela n'était pas empêché de me faire du mal. Et tu as osé faire ça. Parce que le monsieur te paye. Il te donne l'argent chaque 2 semaines. À cause de ça, tu as regardé pour ça. Tu m'as dit, faut pas, moi je vais parler de mal que je traverse, Seni Kangba. Seni Kangba, déjà toi on te paye pour ne pas que je sors sur les réseaux pour casser les papos. Et puis quand tu t'assois comme ça et puis tu parles, tu n'as pas honte. Tu es fier de toi, Seni Kangba. Tu n'as pas honte, tu es fier de toi. On te paye. Quand la femme a commencé à me menacer, elle m'a traité de tout. Elle-même, elle a cherché même à savoir. Elle dit qu'elle sait que je suis à Niamey. Elle a cherché à savoir, à partir à Niamey là-bas. À partir
à Nyama là-bas pour me faire du mal. À partir à Nyama là-bas pour me faire du mal. À quoi ça? Moi, Sarah Kofi, quand je sors, j'ai peur. Parce qu'elle me s'est dit que si la dame me croise, elle va me faire quelque chose. Je t'ai expliqué tout ça. Je t'envoie les preuves. Tout ce que la dame m'envoie comme menace. Toi, c'est Nikangba, tu ne peux pas me dire que tu n'es pas au courant de menaces que la dame me faisait. C'est Nikangba, tu mens. Tu es un menteur. Tu es un voleur. Tu es un arnaqueur, c'est Nikangba. Tu es un arnaqueur, c'est Nikangba. Tu coupes le monsieur parce que le monsieur te paye. C'est Nikangba. Le monsieur te paye chaque deux semaines, c'est Nikangba. Moi-même, j'ai fait enfant pour lui. Moi-même, j'ai fait enfant pour lui. Je suis la mère de son enfant. Même pour, quand l'enfant, même s'il ne sent pas bien, l'enfant tombe malade. Pour avoir l'argent, même pour soigner l'enfant. On lance les courriers pour ça. On lance courriers pour ça, c'est Nikangba. Mais toi, tu es assise parce que le monsieur te donne de l'argent. Et tu couvres le monsieur. Tu ne fais pas que moi, je sors pour expliquer mon problème. Ok. Comme tu couvres le monsieur, je vais porter plainte contre toi. Parce que moi, je t'ai expliqué combien de fois ça s'est passé. Comment le monsieur m'a violé. Et le monsieur, même en question, il t'a expliqué comment ça s'est passé. Tu sais ça. Mais tu le couvres. Parce qu'il te paye. C'est Nikangba. C'est Nikangba. Tu es méchant. C'est Nikangba. Tu es un voleur. Tu es un arnaqueur. C'est Nikangba. Tu es un voleur. Tu es un arnaqueur. C'est Nikangba. C'est Nikangba. C'est Dieu seulement. C'est Dieu seulement qui peut te juger de ce que tu m'as fait. C'est Nikangba. Pourquoi tu n'as pas pitié comme ça? C'est Nikangba. Tu es maudit à jamais. C'est Nikangba. Tu es maudit à jamais. C'est Nikangba. Tu couvres le monsieur parce que le monsieur te donne de l'argent. Tu aimes l'argent qu'un être humain. Tu n'as pas pitié, c'est Nikangba. Tu n'as pas pitié, c'est Nikangba. Pourquoi tu es méchant comme ça, c'est Nikangba? Tu aimes l'argent qu'un être humain, c'est Nikangba. Je comprends pourquoi. Quand on s'est rencontrés, tu m'as proposé. Tu m'as dit, Sarah, je vais coucher avec toi. Pour prendre l'eau, nous de notre eau, pour partir chercher de l'argent, c'est Nikangba. Déjà, tu aimes l'argent qu'un être humain. Dieu merci que je t'ai refusé, c'est Nikangba. Où tu es là, tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas mentir que ce que moi, Sarah Kofi, était en train de dire là, c'est faux. Tu m'as proposé que si on veut avoir de l'argent, si moi, Sarah Kofi, je vais avoir de l'argent, je vais devenir un fiancé comme toi là, de coucher avec toi, que tu vas prendre mon eau, nous de notre eau, pour partir chercher de l'argent. Et moi, je t'ai refusé. Je t'ai dit, j'attends d'abord que je vais réfléchir, c'est Nikangba. Déjà, tu aimes l'argent qu'un être humain. Tu aimes l'argent qu'un être humain. Toi, tu vas sortir avec moi pour prendre moi mon eau. Avec toi, ton eau, pour partir chercher de l'argent, c'est Nikangba. Pourquoi tu aimes l'argent qu'un être humain comme ça, c'est Nikangba? Je te maudis. Je te maudis, c'est Nikangba. Bienvenue dans le nouvel épisode, Sarah. Je dirais même la nouvelle saison. Voilà, parce que saison 1 est finie. Vous avez vu comment elle a fait boum boum sur les réseaux sociaux un temps ici. Saison 1 est finie. Donc ça, c'est saison 2 qui est en train de commencer. On dirait série télé-novela. C'est-à-dire que quand elle vient sur les réseaux sociaux là, on va parler d'elle, on va parler d'elle jusqu'à un moment donné, on ne parle plus d'elle. Il faut créer quelque chose pour venir déposer. Il faut créer quelque chose pour venir déposer anyway. Avant de faire le béret, je vous présente mes magnifiques perruques. Voilà, mes magnifiques perruques qui sont disponibles en gros comme en détail. Livraison partout en Europe, aux États-Unis, au Canada. Si tu es intéressé, ma chérie, j'ai réduit les prix des lots. Actuellement, les lots commencent à partir de 250. Voilà, si tu veux commencer ton business, que tu as un petit budget, je suis là pour t'accompagner dans tes débuts. Voilà, je suis là pour t'accompagner dans tes débuts et ça vous garantit 100% de bénéfices parce que les perruques sont magnifiques. C'est fait sous full lace, comme vous pouvez le constater. Et puis, les modèles sont variés. Les modèles, les couleurs, vous voyez? Les modèles, les couleurs, tout est varié. Il y a beaucoup de modèles. Donc, si tu es intéressé, ma chérie, c'est le moment d'entrer en contact avec moi. Et j'ai mis à votre disposition un bon catalogue qui vous donne un listing des prix. Voilà, les modèles et leurs prix. Venez tout simplement sur WhatsApp si vous êtes intéressé par la vente des perruques, par ce business juteux. Oui, parce que c'est le business du moment. L'été est en train d'approcher. Ce sont les perruques qui sont le plus demandées actuellement sur le marché. Je parle des perruques tresses. Donc, si tu as ton petit budget, que tu as envie de commencer, tu n'as aucune activité ou alors tu as pour objectif d'arrondir tes fins de mois ou alors tu as des enfants, des filles à l'université qui ont besoin d'une petite activité à elles, n'hésite pas à venir commander des lots chez Mélissa pour leur donner. N'hésite pas à commander des lots chez Mélissa pour arrondir tes fins de mois. N'hésite pas à commander ton lot chez Mélissa pour pouvoir gagner un peu d'argent chaque fin de mois. Donc, je vous garantis que vous avez un bénéfice absolument juteux. Donc, n'hésitez pas à venir passer vos commandes chez Mélissa. Je livre partout en Europe, aux États-Unis, au Canada. En Afrique, je livre uniquement les perruques tresses.
En Afrique, je livre uniquement des perruques tresses, donc n'hésitez pas, mes chéris. Venez commander vos perruques dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet, le béret du jour. J'ai dit Sarah Kofi. Je ne sais plus comment on peut te conseiller. Toi seul, tu sais ce que tu fais où. On ne sait plus comment on va te conseiller. Voilà Séni Kamra qui a décidé aussi de se mettre dans cette affaire-là pour soutenir ton mensonge. Mais on est assis par terre. On attend de voir où ça va arriver. On attend de voir où ça va arriver. Parce que moi, je ne sais pas ce que je vais dire de plus. Comme 2 jours-là, on ne parle plus de toi sur les réseaux sociaux. Tu as décidé d'inventer une histoire pour venir déposer. Donc, au début, tu en voulais celle. Donc, ça veut dire que tu as fini de parler au début, là, jusqu'à on t'acclamait déjà. Hein. Tu es venu, tu as encore marché sur ton propre caca. Tu allais faire enfant avec mari de quelqu'un. Si cette histoire est vraie, c'est que vraiment, je n'aimerais pas être à ta place. Voilà. C'est que je n'aimerais pas être à ta place. Donc, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. On va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, likez. C'est gratuit. Je compte sur votre soutien. On va se dire à la prochaine. Hein? Et puis, les perruques là, venez commander. Venez me faire la recette. Venez me faire la recette. Si vous avez besoin de réduction, bien de plus de temps pour payer, vous pouvez payer en tranche. Voilà, il y a possibilité de payer en tranche. Donc, c'est pas payé. Si tu n'as pas assez d'argent pour payer en une fois, tu peux payer en 2 fois. Donc, mes chéris, je vous attends nombreuses. Venez me faire la recette. 2 jours, je suis un peu nerveuse parce que vous ne venez pas payer les perruques. Je suis un peu nerveuse. C'est pas normal. Donc, venez acheter. Venez me tromper. Tranquille. Ciao.